Je suis vraiment, vraiment désolé de ne pouvoir être parmi vous parce que, évidemment, je suis impliqué dans des questions qui me prennent énormément et qui sont rien de moins qu'une préoccupation à l'égard de la vie. Alors, la réunion va être axée sur la culture. Il faut savoir que ce qui a donné ces lettres noblesse à la culture, c'est quand même l'agriculture. Il ne faut pas l'oublier. C'est au moment où l'être humain, étant un chasseur, cueilleur, pêcheur et survivant, cela a commencé à faire de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il a passé une espèce de convention vitale avec la terre, que les primitifs ont appelée très justement la terre-mère, et cette terre-mère aujourd'hui, eh bien, elle crie au secours. Et il faut faire très attention parce que nous sommes, si nous ne sommes pas respectueux, si nous ne prenons pas soin de la terre qui nous nourrit, on peut imaginer les résultats, c'est-à-dire l'éradication de l'humanité. Mais heureusement, je reste quand même positif, il y a aujourd'hui de plus en plus la conscience qui s'élève, on prend de plus en plus conscience de notre inconscience et je salue tous les mouvements qui se font aujourd'hui en faveur de cette nouvelle perception que l'on doit avoir de la vie. Et je souhaite vraiment que tout cela s'élargisse. Et la preuve, l'une des grandes preuves de votre rassemblement, c'est quand même ce souci. Et on espère étendre ce souci, mais l'accompagner aussi d'actes guérisseurs, c'est-à-dire retrouver l'amour de la vie à travers la terre. Bien entendu, je souhaite à cette réunion des Éthiopiques, eh bien, plein succès. Plein succès et je pense que là, c'est un acte de ferment positif et ce ferment positif, j'espère qu'il va contaminer le plus largement possible. En tout cas, grand merci à cette initiative.